contacter. Comment allez-vous ce matin? En tout cas, moi, ça va bien. Je suis en vacances. Je suis à Québec. Je suis en appartement ici. Donc, on profite du beau temps. Ben, il annonce du soleil aujourd'hui, hein, je pense, lundi. Oui. Hein? Oui. Ok, c'est ça. Donc, il y aura du soleil. Je vais vous faire comme des petits snaps comme ça de la ville de Québec. Je vais profiter aussi pour vous parler. Si vraiment il y a du soleil, je n'ai pas encore regardé la météo. Mais s'il y a du soleil, je vais vous donner comme de belles nouvelles de la journée à Québec. Comme je vous ai dit, quand on dit à Québec, c'est une ville de la province de Québec. Donc, c'est ça. Donc, je vous fais ce petit snap là pour vous dire bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Je suis en train de profiter comme ça pour lire tous les courriels que vous m'envoyez. Je vais vous répondre parce que là, je suis en vacances. Donc, je profite du bon temps. En tout cas, je vous salue, vous les intelligents de Facebook. Oui, parce que sur Facebook, là, il y a beaucoup d'intelligents, hein, tu sais ça, Régis. Et puis, mes impactés, je vous fais plein de bisous, je vous fais plein de câlins. Sachez que tous ces messages que vous m'envoyez là, me touchent, me servent vraiment le cœur. Donc, on va profiter. Ben, vous avez produit quelque chose ce matin, Wendy? On va aller au centre commercial tout à l'heure. Ah, au centre commercial. Bon, on va prendre une tasse pour prendre du café, un peu ma journée en vacances, comme je vous dis. Ils sont où les... Ok, ben ici là, on est en appartement ici, donc je ne sais pas trop où se trouvent les affaires, excusez-moi. Bon, j'ai une cuillère ici, pour le café. Le sucre. Ouais. Oh, hier, on cherchait le sucre. Ah oui, le sucre? Ouais. Ben, il y a du sucre ici. Ici, c'est du sucre roux. Moi, j'aime le sucre roux. Ouais, j'en mets ici pour mon café. L'impacteuse a le bec très sucré. Donc, j'aime quand mon café, il est sucré. Ben, sinon, ça va. On va profiter après. On va essayer de voir. J'ai vraiment pas regardé la météo, là, pour savoir quel temps il fait aujourd'hui. On va profiter de ça et puis je vais visiter quelques petits endroits. Je vais vous montrer comme ça des petits snaps depuis le Québec ici, tout ça. Donc là, je suis en train de faire mon café. Sachez que je vous aime. Je profite de mes vacances. Il faut profiter de la vie, les amis. C'est pas facile la vie, comme je le dis. Hein. J'ai jamais dit que la vie était facile. Il faut lutter. Je vous encourage souvent à aller regarder certaines vidéos de certains blogueurs qui parlent du Canada, ils vont vous expliquer comment le parcours pour rentrer au Canada n'a pas été facile. La vie n'est pas facile. On ne peut pas vous dire que la vie est facile. Si on vous dit que la vie est facile, c'est qu'on vous a menti. La vie est dure. On lutte. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, on lutte pour y arriver. Moi, ce que je n'aime pas, c'est quand on se lamente pour dire « Ah, c'est dur, mais qui avait dit que c'est facile ?» C'est pas facile. Hein? C'est ça. Bon, donc sachez que je vous aime, j'attends mon café et puis je suis en train de préparer une vidéo ce matin que je vais vous envoyer sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir des vraies nouvelles, ça se passe sur ma chaîne YouTube qui est Monica Z l'impacteuse et puis envoyez-moi des messages sur mon WhatsApp, mon numéro WhatsApp. C'est le plus 1-514-570-83-97. Là-bas, je peux vous répondre. Parce que j'ai beaucoup de messages sur le WhatsApp qui rentrent chaque jour. Plein de messages. Mais je réponds parce que je suis constamment sur mon WhatsApp. Mais quand vous m'envoyez des messages dans le, comment on dit ça, dans le Facebook Inbox, ce n'est pas évident parce que Facebook, je ne suis pas très active. Mais je suis active sur mon YouTube qui est Monica Z l'impacteuse et puis sur mon WhatsApp. La preuve, je suis là sur WhatsApp. Donc, envoyez-moi vos messages là-bas. Je vais vous répondre. Donc, c'est votre impacteuse hier, aujourd'hui et toujours. Tu aimes l'impacteuse, tu n'aimes pas l'impacteuse. Vraiment, ça ne change rien à sa vie. Ça ne change rien. Donc, la haine gratuite là, ça n'apporte rien parce que l'impacteuse là, elle est entourée. Comme j'ai dit là, les gens qui m'aiment là, chaque jour je parle avec eux. Donc si toi tu dis que tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que ça change? Comme disent les Anglais, doesn't matter. Ça dit, c'est pas, ça ne change rien, ça n'a pas d'importance.
Moi, je vous aime. Là, je vais prendre mon café. Ok. Wendy, vous prenez quoi au déjeuner aujourd'hui? Il y a du croissant, il y a beaucoup de choses là. Ouais. C'est sûr qu'il faut manger avant qu'on sorte. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dépenser dehors. Ok. Ouais, parce que les enfants d'ici là, ils aiment qu'on dépense toujours dehors. Moi, quand on sort, je dis mange ici. Maintenant, si on a passé la journée dehors, là, je peux dépenser mon argent. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on a tout au frigo parce qu'on doit sortir. On va dépenser l'argent. Bisous à vous, mes impactés. Je vous aime. Et puis, vous, les intelligents de Facebook là, je vous salue. Ciao.